se retrouve dans une nouvelle vidéo avec deux nouveaux livres, un livre japonais et un il y a polar. Donc ça me change de mes rayons à la librairie où je travaille, c'est cool, ça change un peu. Ça faisait quelques... Bon, ça faisait il n'y a pas si longtemps que ça que je n'avais... Il n'y a pas lu de roman japonais, mais un polar, ça faisait des mois, largement. Du coup, j'avais vraiment hâte de vous présenter ces deux livres que j'ai beaucoup aimés. Je pense que chacun, je leur mettrai un bon 8 sur 10. Alors, on commence cette vidéo avec Il y a tant que le café est encore chaud de Yatoshikazu Yakawaguchi, auteur japonais, comme son nom l'indique, qui se vend bien au magasin parce que le deuxième est sorti et le troisième également. Alors le deuxième est la suite et le troisième c'est la même idée mais dans un autre Yakafé. Je m'explique. Dans ce court roman de 200 et quelques pages, on va suivre un café dans une petite ruelle de Tokyo. Un café qui est entouré de plein de mystères. Comme quoi, si on s'y rend et qu'on boit un café chaud, on peut retourner dans le passé. Donc certains pensent vraiment que ce sont des grosses chimères, mais en fait, c'est vrai. Donc le café est tenu par un couple et par une serveuse qui s'appelle Kei. Et d'ailleurs, j'ai un peu eu du mal à suivre parce qu'il y a Kazu, Kei et Nagare, c'est le gars. Et j'ai un peu eu du mal à comprendre qui était qui, c'était pas très très clair. Bref. Du coup, le livre est divisé en 4 chapitres avec 4 fois où les personnages vont se rendre dans le passé. Le premier chapitre, il s'appelle Les Amoureux. Le second, c'est Les Époux. Le troisième, c'est Les Sœurs. Et le quatrième, La Mère et l'Enfant. Donc, 4 situations complètement différentes, 4 motifs complètement différents de vouloir retourner dans le passé. Du coup, les personnages rentrent dans ce tout petit café, il y a genre 6 places assises. Il y a une dame habillée de blanc, très court, genre estival, qui est assise à chaque fois à la même place et qui boit inlassablement un café. En fait, c'est un fantôme et cette dame a remonté le temps, sauf qu'elle est restée... Enfin, sauf qu'elle n'est pas revenue à temps et du coup, la malédiction, c'est qu'elle s'est transformée en fantôme. Et la seule façon de remonter dans le... qui a passé, c'est de prendre sa place, mais il faut attendre qu'elle aille aux toilettes. Donc en fait, ce que j'ai trouvé dans ce roman, c'est que le fantastique, le réalisme sont mêlés avec des touches d'humour et d'originalité. J'ai trouvé ça hyper hyper sympa. Du coup, cette femme se lève au bout d'un moment, et celle qui veut prendre sa place, qui s'appelle Fumiko dans le premier chapitre, qui attend des heures durant que cette jeune femme se lève, prend enfin sa place, boit un café. Donc il y a la règle, c'est de s'asseoir à une place précise, celle du fantôme, de boire le café tant qu'il est encore chaud, d'où le titre, lorsqu'elle se trouve dans le passé. Donc elle remonte le temps, mais il faut vraiment qu'elle termine sa tasse avant que le café ne refroidisse, sinon elle se transformera à son tour en fantôme. Voilà, donc Fumiko est motivée pour retourner dans le passé, car en fait son amoureux quitte le Japon pour se rendre aux États-Unis pour son travail. Elle ne veut pas le faire changer d'avis, mais elle veut simplement ajouter quelque chose et lui dire quelque chose. Et en fait il y a une règle, c'est que certes on peut retourner dans le passé, mais ce que l'on fera dans le passé n'aura aucune influence sur le présent. Ça ne changera, il n'y a pas le présent. Donc ça peut démotiver certains parce que du coup bah quoi ça sert? Sauf que Fumiko se dit je ne vais y a pas changer l'issue parce que ça ne changera pas, mais je vais dire quelque chose qui fera que ça se trouve dans le futur. Du coup on se retrouvera, du coup elle retourne dans ce café, elle finit bien sa tasse à temps et en fait elle dit à son un amoureux qu'elle aimerait qu'il se retrouve 3 ans plus tard, donc c'est le futur et on verra bien ce qu'il se passe. Voilà, le deuxième chapitre c'est les époux. L'homme est atteint, il y a d'Alzheimer en fait, et il ne se souvient plus trop que sa femme est sa femme, voilà. Donc sa femme en fait veut retourner dans le passé pour lui dire des choses qu'elle ne lui a pas dites, d'autant plus que son mari lui a écrit une lettre que les responsables du Hub Café donnent à celle qui remonte dans le passé, et du coup elle va pouvoir lui dire des choses qu'elle ne lui avait jamais dites. Et ils vont se rapprocher eux-mêmes dans le présent et même lorsque l'homme continue d'avoir Alzheimer et de vivre avec sa maladie. Ce chapitre était vraiment très joli.
Le troisième, c'est Les Sœurs. En fait, une jeune femme qui tient un bar snack à côté du café se rend régulièrement au café et un jour elle revient. Et en fait, sa jeune sœur est décédée. Ils avaient 7 ou 8 ans d'écart. Et elle revient l'air de rien en fait, comme si elle n'était pas affectée. Alors certes, à chaque fois que sa jeune sœur venait lui rendre visite à Tokyo, elle était très distante, elle l'éloignait un peu, elle avait hâte qu'elle rentre chez elle. Mais elle a quand même envie de retourner dans le passé pour en fait, si vous voulez, la jeune sœur a repris l'auberge familiale des parents qui se trouvent dans la campagne japonaise. Notre protagoniste n'a aucune envie de reprendre cette auberge, donc c'est sa jeune sœur qui s'est sacrifiée pour s'en occuper. Et du coup, elle remonte dans le passé pour lui dire qu'elle s'occupera de cette auberge et qu'elle meurt dans l'esprit plus léger et enlevée d'un fardeau. Voilà. Et le dernier chapitre, c'est La mère et l'enfant. C'est justement centré sur la propriétaire du café qui est en couple avec le gars, Nagare. Et en fait, elle a une santé très très fragile. Et en fait, il lui est déconseillé d'arriver au bout de sa grossesse. Et en fait, elle ne va pas aller dans le passé, mais dans le futur. C'est la seule qui va aller dans le futur, parce que visiblement, on peut s'y rendre aussi. Et elle va aller 15 ans plus tard et elle va voir sa fille. Donc, qu'est-ce que ça ferait si elle mettait son enfant au monde, si elle arrivait au terme de sa grossesse. Donc, ce chapitre est très très émouvant. Donc voilà, je vous ai un peu résumé sans trop vous spoiler. Un livre assez original. Alors j'ai trouvé quand même qu'il poussait l'idée vraiment jusqu'au bout. D'autant plus dans le deuxième et troisième tome. Et là je me suis dit vraiment, enfin le gars il abuse. Ouais c'est original, ouais c'est sympa. Mais bon, voilà. Je lirai quand même les deux suivants. Voilà, parce que je suis une... je ne sais pas. Bref, je suis quand même curieuse. C'était original, franchement un beau livre qui nous amène à accompagner 4... histoire, 4 situations différentes et vraiment j'ai beaucoup aimé. Le deuxième roman, il s'agit d'un polar, Je serai toi de Janelle Brown, qu'on vend au magasin et qu'on a reçu en service presse il y a quelques semaines, avant que je commence en fait. Et je l'ai vu, je me suis dit il a l'air super cool. C'est une histoire de jumelles. Alors les histoires de jumelles, souvent ça se ressemble un peu, ouais c'est vu et revu. Moi j'aime bien, voilà, bien que ça puisse être vu et revu. Je l'ai lu assez vite, alors au début je le gardais pour mes pauses, repas à la librairie. En fait, comme on est souvent entre collègues, je n'avançais plus du tout, donc je l'ai pris chez moi pour l'avancer. Donc je l'ai lu en vérité en 3 jours quoi, si je, sans compter les pauses repas où je lisais littéralement 4 chapitres en 2 semaines. Voilà. Alors on suit Ellie et Sam qui sont jumelles, elles sont américaines, elles ont été découvertes très jeunes enfants par un agent en fait de star. Elles ont débuté leur carrière, oui j'allais mettre des guillemets mais non, enfin elles ont débuté leur carrière en tant qu'actrice dans une série. Ce serait un petit peu, vous savez, Mary-Kate et Ashley qui jouaient le même rôle, sauf que en fait elles étaient deux, voilà. Au début ça marchait très bien, elles ont enchaîné avec une autre série. Alors sachant que Sam est l'extravertie du lot, c'est celle qui joue bien, celle qui adore la comédie, et Ellie elle est un petit peu plus soumise. Elle dit oui à sa sœur mais elle n'a aucune envie de jouer. Il y a pas mal de scènes où on la voit refuser de jouer ou n'y mettre aucune volonté parce qu'elle n'y a pas envie tout simplement, elle veut juste être une ado normale et c'est totalement compréhensible. Du coup Sam se met à sa place et joue son rôle. Donc voilà, elles échangent un peu souvent leur... elles échangent régulièrement leurs identités. Et là, elles sont adultes, elles ont 30 et quelques années et elles ne se parlent plus depuis plus il y a d'un an. En fait, on apprend que Sam, l'extravertie, celle qui adorait la comédie, a sombré peu à peu dans les cachets, la drogue et l'alcool. Elle est devenue addict, accro. Elle a fait plusieurs cures de désintox et Ellie qui est devenue une sage, il est bien plus raisonnée, elle a créé sa propre entreprise, elle est fleuriste. Et ben elle en a marre de cette jumelle qui prend toute la place et qui lui bouffe son énergie, ce qui est compréhensible également. Et en fait, un jour Ellie disparaît, donc la calme et la raisonnée. Sam va venir chez ses parents desquels elle n'est plus proche parce qu'elle les a déçus de par son comportement, ses actions, sa situation et tout ça.
Et en fait, elle va découvrir qu'elle a une nièce qui s'appelle Charlotte, que Ellie a adoptée il y a quelques mois. Et en fait, Ellie ne donne plus signe de vie. Donc Sam va aider ses parents avec sa nièce pendant plusieurs jours, voire une semaine. Et en fait, elle va se dire, il y a quand même un truc bizarre, donc elle va essayer de savoir où est Ellie. Elle va découvrir l'existence d'une organisation qui s'appelle Jeune Femme, qu'elle qualifie de secte et qui est clairement une secte, une espèce de... Il y a de groupes de femmes pour se libérer de l'emprise des hommes, ce genre de choses-là, et en fait c'est une secte. Et après on va voir le point de vue de Ellie, comment elle en est arrivée dans cette secte. Qui est Charlotte? Parce qu'il y a un truc bizarre aussi autour de Charlotte. Les différends qu'il y a eu avec Sam. Et je trouve très intéressant qu'on remonte souvent dans le passé pour en apprendre plus sur les jumelles, sur les événements qu'elles ont vécu, sur comment elles se sont éloignées, sur leurs différences, sur leur parcours tout simplement. J'ai vraiment adoré ce livre, il était vraiment très prenant. Alors c'est pas l'enquête du siècle, on peut se douter de certains éléments, mais cependant bah, on a quand même des surprises. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, voilà. Bah sur aussi les aspects difficiles de la célébrité, un petit peu similaire au livre de Britney Spears en fait. Comment Sam, bah, elle a tout claqué son argent, elle a plus rien alors qu'elle avait des millions sur un compte. Comment Ellie, elle, est beaucoup plus raisonnée mais a fait quelque chose de complètement mal aussi, en plus de d'avoir fait confiance à Jeune Femme. Voilà, c'est un livre que je peux vous recommander, que j'ai beaucoup aimé, très intéressant sur la gémellité. En plus, on se balade un peu aux États-Unis, donc c'est chouette, ça me fait retourner un petit peu aux States, donc c'était sympa. Voilà. Voilà, c'en est tout de cette courte vidéo de deux livres que j'ai lus récemment. Je pense plutôt que je ferai ce format régulièrement parce que, comme je vous le disais, j'emprunte mes livres à la librairie et je n'ai pas envie de les garder trop longtemps. Ce qui explique que deux livres à la fois, c'est quand même plus pratique que 4, parce que 4, ça suppose qu'il faut que je les garde plus longtemps. Et j'ai un petit peu la flemme. Donc voilà, on verra comment je ferai. Quand il s'agira de mes livres à moi, je pourrais attendre 4 livres, 3-4 livres, sans aucun problème. Voilà, je ferai un petit peu comme je le sens, je pense que c'est le mieux. Pour vous proposer du contenu plus régulièrement, parce que du coup, les articles s'enchaînent sur le blog, et même en avance, en brouillon, en attendant qu'ils soit publié et les vidéos sont un peu plus longues à arriver. Donc voilà, je vais faire comme ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ces deux romans vous donneront envie. Et moi, je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez surtout pas à me suivre sur Instagram. Bye !